Ce que vous attendez là, salut à tous, bienvenue sur cette carrière régionale du côté du club, enfin que deux matchs. On va jouer face à Marseille en Doom à domicile face au 16e final Coupe Méditerranée. Et match face à Simian à l'extérieur pour le dernier match. On vous rappelle que le 3 matchs sera pour le prochain épisode, ce sera 13, Pointe de Cuque et eux. Ah, ce sera pour le prochain épisode, je vous montrerai ça. Le classement, on est leader avec 8 victoires, 2 nuls, aucune défaite en championnat départemental provençal. Voilà. Et c'est pour ça. Allez, on avance. Alors, Strelly FM, heureux de tomber face à Marseille en double. Ok, ça c'est un joueur qui est pas mal. C'est notre jeune qui peut jouer à gauche. C'est un bon joueur ça. Fanny, bon, pour vous essayer de le faire monter lui. Ah, il joue avec l'équipe réserve, je peux peut-être le faire monter en double intensité. La note de 7,55 pour le joueur, mais il joue à gauche, puis c'est notre formation. Alors, Ngotti a dit quoi dans le spectacle face à Septem en coupe? Ok. Les 19 qui gagnent 2-0, c'est bien face à Lille. Voilà. Alors, l'équipe réserve qui gagne 3-0, c'est bien. Face à eux, face à qui ils ont gagné? Un match amical, c'est bien. Il veut rester au club, lui, le petit Badoza. On va lui proposer un contrat si tu veux. Proposer un contrat, on va lui proposer un contrat à 21 ans. Si tu veux, ouais, il vaut zéro contrat, ça va. Ça, c'est Page qui progresse, c'est bien. On va le faire monter un peu, lui, le petit. Attends, on va le faire monter à 6. Il est pas bon à l'entraînement, 6,35. On va quand même l'avertir. Voilà, on va peut-être l'emmerder, tu vois. Il pose deux changements pour ce match, on fait comme ça à eux. Il faut que je reste en positif, je joue offensif, je vais rester comme ça. On va bon, rester comme ça, je crois. Ok, on est bon.
Sur des changements, s'il te plaît. Alors, le ballon, c'est pas vrai, on le ballon à l'adversaire. Il a récupéré ça. Cette équipe de Bruno Ibuti. Regardez combien de tirs on a eu. Attends, je vais voir la première mi-temps. On a un tir, aucun cadré, 0,3. 46 possessions, un corner, 7 fautes, 80 passes. On a plus de fautes que eux, voilà, 80 passes. Eux, ils ont 6 tirs, 4 cadrés, c'est pas possible ça. 1,25 budget, 54 possessions, 3 corners, 4 fautes et 90 passes.
peut-être tenter un truc pour la deuxième période. Je vais jouer beaucoup plus, je vais tenter un jeu comme ça. On va se mettre dans la surface. On va tenter un truc. Voilà, je vais peut-être rester comme ça. Voilà, un peu mieux. Je vais dire ça. Vous êtes monté à la plaque, voilà, je vais dire ça. Allez, on y va. Deuxième période. Allez, on motive. Allez, bon, allez, Brian qui récupère. On change un peu de stratégie parce qu'on est du retard. Changement, force sortir qui comme changement? Attends, on va Maxence va sortir, on va faire entrer lui. Nasser qui va rentrer. Il fait un bon match. Bon, on va faire un premier changement de la partie. Allez. Il a gardé une blessée aussi. Hein. Thank you.
blessé parce qu'on rappelle qu'il y a une gardienne blessée aussi. Pas si vous l'avez eu là. Ballon du tronc qui a mal donné ce ballon. Des changements pour l'instant, on a combien de changements? Il reste bon, on va sortir lui 6,60. Bon, Rodi Pondo va rentrer. Henri va rentrer Léo à sa place. Bah, on va rester comme ça. Hein. Allez, changement tout de suite. On va des changements. On va encourager. On va encourager. Allez. Et l'autre 6-9. Je vous rappelle, il faut revenir au score sur ce club parce qu'on a un but de retard sur cette équipe. Un but de retard, c'est normal, tu vois. T'as vu, il est fatigué. Toi, tu rentres. Mais il ne dit personne. Fillon, on va faire entrer Jupiter. Ouais, Fillon, c'est pas un mauvais choix. Il ne fait pas mauvais match. C'est pour forcer un peu. Jarak dans les buts parce qu'on rappelle le gardien de l'essence sur Jarak. C'est pas bon, on va changer de tactique, je suis désolé. Et 5 minutes. Ah, on va allez, on va chercher le troisième but. Le centre. Ah, c'est dégagé. On va se retrouver pour le championnat. Je suis désolé, la Coupe Méditerranée, on va se faire sortir par Marseille en double. C'est très compliqué cette carrière. Marseille en double, c'est compliqué. Ce club était compliqué. Mais de prendre une raquette comme ça, c'est compliqué. On va se dire de se prendre une comme ça, les gars. C'est dur de se prendre une comme ça. Il descend.
On va se faire éliminer en Coupe Méditerranée. On se va sortir. Oh, je suis dégoûté quand même. De prendre un but en 2 minutes. Mais c'est normal. Ah, on va se mettre pas chaud là. Voilà, le fait que je vais chuter et filer. Parce que l'équipe de Méditerranée, de la personne qui nous passe, c'est pas un tir parce que l'équipe, comme vous avez. Bon, côté tir, on a plus de tir, on n'a pas plus de tir, on a 5 tirs, on a 3, 4, 3 cadrés, 1,35 DJ, 46 possessions, 3 corners, 19 fautes, 86 passes pour nous, bah, ils ont plus fort que nous, ils sont plus forts que nous. Sur 13 tirs, 8 cadrés, 2,17 DJ, 54 possessions, 6 corners, 6 fautes et 88 passes. On était nuls en fait, mais ils sont plus forts que nous. Bon, on va se concentrer pour la défense. Je suis désolé, on se fait sortir par Marseille en double. 4 buts à 2 et on se fait éliminer directement par la Coupe Méditerranée. C'est dommage. On avait les ingrédients, on s'est fait sortir par Marseille en double. On rappelle Cavallon se fait. Ah, Cavallon est qualifié. Pays d'Aix se fait sortir par eux, ok. Ah, ils ont eu sortir, ok. Merieux, ils ont éliminé Simian. Ok. Saint-Aubert qui passe face à eux, ok. Espoir Vitrolles qui passe contre Berne. Antibes va éliminer, ok. Ils ont gagné 3-2-0 face à Beausoleil. Port-de-Mouc se fait sortir, c'est éliminé Carpentras. Pas mal ça. Ils ont éliminé aussi bien. 2 buts 1. Avignon se fait sortir par ok. Ils ont éliminé Lille. Et Antibes va éliminer, ok. Bah, ça veut dire qu'on se fait sortir par Marseille en double. Dommage. Ouais, Marseille en double, c'est une équipe. Ouais, Marseille en double, ils sont quoi professionnels? Ils sont aussi les pros. On va voir un peu le club, ils sont quoi Ils sont amateurs, comme nous. Amateurs, on s'est fait éliminer par un club amateur. Ouais, mais ils sont invaincus, ils sont premiers de. Ouais, ils sont régional 1. Ils sont régional 1, ils sont régional 1 Méditerranée. On s'est fait sortir par régional 1, je crois. Ouais, ils sont premiers, ils sont à 60 points. Ils sont 20 victoires, ok, nul. Une défaite. Défaite, c'est contre eux, Montbeulieu. Contre le deuxième. Voilà. Ouais, on s'est fait éliminer par Bodo Ngouti. Voilà, dommage. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ouais. Bon, une équipe jeune pourrait s'éteindre sans doute. T'as dit ça, tu vois. On entraînera déjà prendre ma place. Ok, je vais voir si je peux changer de tactique sur cette attaque. La tactique elle marche bien, c'est juste le problème, c'est Sacha Boué. Ben, on rappelle la tactique elle marche, mais je crois que je sais pas si je vais changer un peu. Le tiki-taka ça marche mieux, on va partir sur une autre tactique. Je vais regarder si on peut trouver une autre tactique à sa place. On va modifier. Qu'est-ce qu'il y a comme tactique? Ça marche pas. On va partir dans les ailes, je crois. On va changer de tactique. Ouais, il faut que je joue offensif. Il me pose de jouer au 3 offensif ou soit dans les ailes. Je vais partir au 3 offensif. Je vais partir comme ça, je crois. Alors, on va partir sur un 4-2-3. Voilà, on part comme ça. On part comme ça, je crois. Je vais partir comme ça, je crois. Ah, c'est un peu mieux comme ça. Ouais, c'est bon comme ça, je crois que je vais tenter comme ça. Ouais, promesse. Il joue comment lui le match? Latéral défense. Latéral défense, on va comme ça. Ouais, c'est un peu mieux. Lui joue comment lui là? Latéral attaque ou latéral défense, je crois que je vais faire latéral attaque. Hein. Offensif, attaque. Ah, c'est pas bon, il me dit. Latéral défense. Ok. Ouais, c'est un peu mieux. Et c'est quoi qu'il me demande là? Il joue comment lui? Ah, lui, il est pas bon. Attends, on va voir. Il joue comment lui, s'il vous plaît? Axial attaque. Ouais, c'est bon. Le temps d'axial attaque, c'est bon que c'est mieux. Lui ça reste et lui il est pas mal, il est naturel. Ouais, ça va la partie, je crois. On va se regarder, je crois. Calendrier, c'est pas ça. Bah, repos, on va mettre du repos là. On va mettre du repos, bah, on a du repos, les gars. On met du repos combien de jours? On joue dans 14 jours, je mettrai une semaine de repos parce qu'on joue dans une semaine. On joue dans 14 jours contre Simian Colombe. C'est pas possible, il n'y a pas de repos là. On va mettre une semaine de repos parce qu'on joue le prochain match contre Simian.
Dommage qu'on se fait sortir par ramasser en double. Putain. Ouais, on perd 4-2, mais c'est compliqué. Excusez-moi, désolé, je vais arrêter l'enregistrement. Je reviens, je reviens. Je reviens, je reviens. Bon, excusez-moi les gars, excusez-moi. J'allais me moucher. Bon, ok. Jupiter, c'est parfait. Terminé l'alignement. Ok. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qu'il veut? Genre vedette. Ah, lui, Valentin Match, qu'est-ce qu'il veut? Genre vedette. Ah, il veut genre vedette. Parle-lui, s'il te plaît. Voilà, t'as compris. Là. Salut, ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Valentin? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux bien jouer vedette? Ok, je te mets jouer vedette. Pas de soucis. Au courant, je te mets jouer vedette, mon gars.
Jean Vedette. Je peux pas le mettre Jean Vedette là. Je peux pas le mettre Jean Vedette là. C'est fou. Ah, c'est pas grave, je me mets pas. Jupiter, on va le critiquer. Non, on va le féliciter Jupiter. Ah, naïf. Putain, il est pas content. Ah, c'est pas grave. Ouais. Nassa qui pourrait se, Nassa qui pourrait se bien. On va le visiter, parfait. Ouais. Barbosa, préparateur de l'équipe première, il me demande encore préparateur. C'est quoi ça? Il me demande Ellie. J'ai rien demandé pour l'instant. Vos questions là. On va se sortir par Marcel Ndoum. Bon, je vois Simian 4e. On est chez eux. On est chez eux. À l'extérieur. Et là, ça peut être 3 matchs avant la fin de saison. Parce qu'il y a des matchs fin de saison qui vont arriver. Quel dommage. Désolé pour l'attente. Parce que j'avais un souci là. Pour ça. A signé. Voilà, on a signé notre joueur. Moi, Julien, on va signer notre nouvelle recrue. Owen qui va signer pour le prochain mercato du côté de la Méditerranée. Remplaçant notre. Elle était très bon avec. Il a marqué 10 matchs de but, 7,2 qui sera remplaçant de Patrice Junior. Il sera remplaçant de Chris. Il sera remplaçant parce que rappelle, c'est le remplaçant des joueurs. Qui pourrait venir pour le mois de juillet. Tu vois, au mois de juillet, ça veut dire qu'il va venir au mois de juillet. Voilà, lui aussi va signer pour. Lui aussi va signer son contrat. David Gorbert qui signe aussi notre ailier. Ouais, c'est notre latéral droit qui signera pour remplacer les deux Patrice. Ils viennent de où lui? Il a marqué 10 matchs, 1 but. 6,98, il était en provenance de Drôme Ardèche. C'est le poste de ailier. Ce sera deux changements d'ailier. Côté droit, c'est pour remplacer notre joueur qui était parti à Berne. Notre junior. Il y aura deux changements qui vont arriver. Ouais, je suis dégoûté. Et 9 mai, oh putain. Je suis choqué, les amis, je suis choqué à cause du truc. C'est quoi ça? À 15-19 ans, la recommandation. Ah, un joueur recommandé, c'est quoi? C'est quoi ça? Est-ce qu'il est bon lui? Ah, il est nul, hein? Ouais, mais il est pas bon. Il a 1m65. C'est quoi ce joueur qui me propose là? Il est nul, hein? On va voir un peu. Il y a des recommandations. Il y a qui là qui est recommandé là? On a lui. Lui, il est pas mal à droite. Il est meilleur que Maxence et Nasser. On a lui. Lui, il est pas mal. Il peut jouer au milieu de terrain. Meilleur que Rea, Baza et Inga. Il est plutôt meilleur formé à Montpellier. Ça, c'est quoi ça? 19 ans, lui? Ah ouais, c'est un défenseur formé à Martigues. Il joue à Martigues. Formé à Montpellier. Ouais, il est plutôt meilleur que ma défense centrale, David et Romain Fillon. Après, il y a lui qui est pas mal aussi. Lui, c'est un bon joueur, ça. Il joue à droite. Meilleur que Mendy. Et voilà, il joue à Saint-Estelle Perpignan. Il est pas mal, hein. Il est pas mal du tout, ce joueur. Et enfin, on a lui, hein,
qui est à gauche, bien que la guerre, c'est le deuxième. Allez, on va faire ce match. Ouais, je fais une pause, je faisais une petite pause, et là, quand j'ai entendu une voix de triste, ça veut dire que tu. Je sais pas. C'est normal. Ouais, c'est dommage. Chose qui arrive. Allez, on avance. Ah, il signe un nouveau contrat, c'est bien. Ici, il y aura Ryan Bozak qui signe un nouveau contrat, c'est bien. Nicolas Roche qui prolonge aussi, super. On a Randy Punto qui s'entraîne bien. Ensuite, on a quoi? Henri Bonnet qui s'entraîne mal, je suis pas content pour toi. On part sur une tactique 4-2-3-1 dans les ailes, parce qu'on rappelle cette tactique, c'est la deuxième tactique qu'on a mis en place. On part sur la tactique. On l'a créé. Ouais, bon, la partie 4-2 contre Marseille en double, c'était le premier match. On a perdu ce match de Coupe Méditerranée. Ouais, la Coupe Méditerranée, c'est compliqué à jouer. Si tu mines contre Marseille en double, t'es fait sortir. C'est dur. Hein. C'est la troisième défaite de la saison avec la première défaite en Coupe contre Marseille en double. Je vous montrais. On était invaincu avec cette carrière. On était invaincu. Mais on s'est fait sortir par Marseille en double. Gaz de régional 1, c'est pour ça on se fait sortir. Tu tombais contre une grosse équipe, tu tombais contre une. Si on gagnait ce match contre en double, c'est un peu les grands joueurs, tu gagnais le match. Voilà, on gagne pas tous les matchs, c'est compliqué, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, ce club, on se fait sortir parce qu'on se fait sortir. Là, on va jouer, il reste environ 4 matchs. Il reste 4. Ils ont fait deux partout l'équipe réserve. Attends, on va voir ça. Ah, pour l'instant, il faut qu'on gagne face à eux extérieur. Quatrième. Alors, on va critiquer lui, il est pas bon le petit Andou. Andou, ben, on va critiquer, je suis désolé, on va critiquer. Attends, on va donner les entraînements. Attends, entraînement. On va faire ça. On va le critiquer. Voilà, je suis désolé pour toi que je te critique, c'était pas bon mon gars. Ok. Ça, c'est l'équipe. On peut pas faire des changements. On peut pas faire. Bon, on rappelle que les entraînements, je ne pourrais pas les faire. C'est amateur. Je ne pourrais pas les faire. Si vous pouvez trouver les entraînements amateurs, CD Pro, on peut faire. Hein. Bon, ça, je vais les toucher parce qu'ils vont me gueuler dessus. Voilà, parfait.
J'ai. Là, je finis ça. Je finis ça, attendez. Ah, on va laisser comme ça, on reste comme ça. On est favori. On est à l'extérieur. De presse. Et 3-0, ça va. 2-0, ça va. Parfait. Allez, c'est parti.
Je me concentre, les amis, j'ai pas envie de me concentrer. Je me concentre un peu. Et ouais, je me concentre un peu parce que j'ai vu que. Je me concentre, hein. J'ai pas envie de parler du truc perso, je suis désolé. J'ai pas envie d'en parler. Progresse, lui. Ah, la note de 6, j'ai déjà critiqué lui. J'ai dit ça, toi. Jonathan Marie. Ah, ouais, d'accord. Jonathan Marie. Ah, ok. C'était 7,45. Allez, c'est parti. On va jouer à Simian. Il me propose de jouer en positive. Il m'a dit ça. Ça, je vais y toucher. C'est parti. Corner, c'est bon. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il me propose? Je me rends stressé, moi. Oh. Attends. Ouais, je vais tenter ça. Second poteau, premier poteau. On va rentrer ça, je crois. C'est bon. Ah, je peux, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Ah, je vais faire ça, je vais tenter ça. Allez, c'est parti, on y va. Premier match, dernier match. Ça, assez ce qu'on t'enseigne. Allez, ça y est, c'est parti. Ça. J'ai un double ça. Ah, ça y est, ça y est. Faut que j'enlève ça. Classement, faut que j'enlève les classements. Match en bouge en double. Bande de touche. Ça, j'ai en double. Stade de match. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Zéro.
Enfin, ça tient. Froid, inverti par Nicolas Dion. Ils sont pas mal les coups de karaté, mais ils sont durs les coups de karaté, il faut les travailler ces coups de karaté. Travailler. Ouais, bien sûr. Je me rappelle que on va embêter pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je sais pas si je vais faire un live, justement, je sais pas encore. Centre, c'est bien. Inversion tactique 4-2-3 dans les ailes, parce que petit attaquant c'est pas mal, mais voilà. Il faut s'adapter. On a des occasions marquées et on y défend, cette équipe défend.
Sébastien. Il reste une minute. Une faute, si on ne cesse passe, réussite. On a plus de tirs, on a plus de tirs, on a 14 tirs, 7 cadrés, 2,2, 2,12 pardon. 49 possessions, 18 fautes et 8 passes, 18 corners, pardon, 8 fautes et 86 passes. Ok. On va juste dire ça, attends, juste dire ça, bon, ils sont pas contents, dommage. Ouais, c'est pas mal, mais je vais pas dire un truc comme il faut. Ok, attends, j'ai juste un truc. Alors, les coupures arrêtées, on va les travailler. Alors, attaque. Bon, déjà, on va faire un truc. On va faire. Ah, bah, on va. Attends, c'est quoi la solution? Voilà, attends, c'est quoi la réponse? Ah, sur le même poteau, je peux pas tenter. Ah, ça que je vais mettre là. Facture pour les poteaux, voilà. Celui-là. Ah, c'est bon. Là, je vais faire dans la surface. Ah, c'est un peu mieux comme ça. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Je vais attaquer la deuxième période. Bon, on y va pour cette deuxième période.
Parce que jouer dans les ailes, c'est pas mal. Jouer dans les ailes, c'est cool de jouer dans du 4-4-4 parce que dans les ailes, c'est pas mal. Tu veux voir sur les côtés, c'est pas si mal. Donc, on a 9 points d'avance sur la deuxième place. Le leader avec 29 points. On a 9 points d'avance sur le deuxième. La sorte, c'est dégagé. C'est pas assez bon les corners, on va voir ça tout de suite. C'est bien tiré, c'est le tête. Le centre, ouais, il faut juste le marquage sur le gardien et. Ouais, marquage sur le gardien. On va ça pour le verra, on est trompé de ça. Ça ne pas passer sur le PAT. Stopper une tête. Ah, c'est dégagé. Faut que je fasse pour beaucoup de mise, on verra si on trouve une solution. C'est fort ça. Sur le dessus, putain. Bon, on va rester comme ça. On va peut-être rester comme ça. Bon, il n'y a pas de changement pour l'instant. Changements parce qu'on a la 50, bon, on va voir des changements pour ça, je les changements, on va sortir les deux changements pour l'instant. Tonga, Tom, Predoza, on va faire entrer Léo, Benji, Ronji, Punto. Allez, on va faire ces trois changements là. Allez. Thank you.
gauche, parce qu'en plus ma gauche pour jouer ce poste. Non mais c'est malin, tu vois. Les gardiens nous ont renforcés, on a tous les joueurs, mais c'est juste les blessures de notre contre. Ah, c'est trop fort ce ballon, mal donné ce ballon. Les gars, je jure. J'ai personne qui peut jouer à gauche, personne. Lui va rentrer. Bon, je vais rentrer. Lui a été pas bon. On va faire rentrer Nasser qui va encore rentrer. À gauche, j'ai personne. Défense centrale, David Bowie, on va faire rentrer. Je fais rentrer lui en défense. Lui, j'ai personne qui peut pas jouer à gauche. Bah, j'ai personne qui peut jouer à gauche. On va avoir des changements de défense. Allez, on va faire un changement de défense. Préserver le résultat. On va gagner du temps parce qu'on est 3-1. Coup franc. Je vois les coupures arrêtées. Si c'est bon, les coupures arrêtées, on va les travailler. Les coupures arrêtées, on voit si les soleils sont bonnes. Je vais faire un truc. Attends, j'enlève ça. Je crois que je vais enlever, attends, je crois que je vais enlever ça, je crois. Attends, je vais sélectionner tout. Non. Attends, on va créer une tactique là. Pour mes poteaux. Ouais, je vais tenter ça. Je vais tenter ça. Je vais tenter ça pour la tactique. Je vais tenter ça pour cette troisième tactique. Je vais tenter au premier poteau. On va tenter ça pour ce corner. On va tenter ça. On va voir si ça marche pour les poteaux. On va voir si ça marche là. Voilà, ce troisième corner est bon. On va voir si c'est bon le corner. Minutes, bon, ah, putain, je vais lui falloir sortir l'attaquant, mais il est fatigué. Pardon. Allez, au moins une touche. Ah, il faut trouver au moins des coups de pied arrêtés. On a pas de pied arrêtés encore. Thank you.
Mais ils ont qu'un corner. Cette fois, toi qui es 80 passes, on a 21 tirs, 13 cadrés. 3-0-3 Didier. 54 possessions. 25 corners. On a 25 corners contre 11 fautes et 84 passes. Quatrièmement, c'est David Donnet, 7,4. Benji, 8,5, ça va. Colonga, 7,7. Henri Donnet, 7. Okay. On va dire 8 en 3 buts à 1. Bah, super. Eh ben super, 3-1. Bah, super. Très bon ça. Eh ouais, faut travailler. Maintenant, il faut trouver des coups pieds arrêtés parce que là, les corners sont pas mal du tout, mais. Ah, bien sûr. Ça marche pas. Il se passe, ça marche pas. Ah, c'est bon. M'a fait peur. Ils ont gagné 3-1 face à Port-de-Bouc. Ça, c'est le groupe. Troupe. Open qui va contre OK. Ah, deux partout entre Espoir Sportif Vitrolles, ça t'en doit. Deux partout. La Mette 3-0 face à Châteauneuf-les-Martigues. Ah, ils ont fait match nul, c'est bien. Ils ont fait match nul, le point de QQ, un partout. Pour ça, on a un point d'avance. Première carte, Tocton, 3-2 face à eux. 2 buts 1 pour 13 face à Boubélair. On a un point d'avance sur eux, la Bisquine. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, c'est parfait. On voit pas le score là. Et voilà, les barrages pour cette FC7M qui on passe en barrage, c'est parfait. Début. Mendy. Lucas Mendy, très bon entraînement. Allez, très bon. 9 passes 6, 9 passes clés, 4 dribbles et 8,5. 8,5 pour Mendy. On va quand même pas le féliciter parce qu'il a marqué des points. FC7M vers les barrages de montée. Parfait. La semaine, c'est lui, Mohamed Barou. On va faire combien de jours là? Repos une semaine. On joue dans 21 jours. On va mettre 2 semaines. Si tu veux, on met repos 2 semaines. On met une semaine de repos. Ah, juste voir les coupes. Je vais faire un truc. Mais en poids, ça marche pas. Les coupes arrêtées, ils marchent pas. Je crois que je vais enlever ça. Hein. Supprimer les coupes arrêtées. On peut pas résilier les coupes arrêtées. Hein. Ah ouais. D'accord. Marquage de zone. Premier poteau. Dans la surface. Premier poteau. Restez plus haut. Rentrant, sortant. Sortant. On va faire ça, je crois. Ah, je vais tenter ça. Je vais tenter ça pour cette. Voilà, t'as vu, c'est un peu maladie. Je vais sauvegarder. Je vais re-sauvegarder. Je vais ça, sauvegarder ça. Voilà, je vais faire ça. Peut-être on va tenter. Là, tu peux. Ah, tu peux mettre corner court 20, 23, deuxième poteau dans la surface. C'est pas mal ça. Voilà. C'est quoi ça? Ces entraînements, je les ai pas, les entraînements. Je les ai pas. On joue dans 20 jours le prochain match. Dans 20 jours, le prochain match. 20 jours, ça veut dire que c'est contre. On joue quand le match? Le 12 mars. Contre 13, ce sera à domicile. T'as 13, t'as plein de. Non, on fera que 2 matchs, je crois. On joue le 12 mars, le 2 avril et le 9 avril. Avant la fin de saison. Ouais, je crois, parce que là, on verra que je vais faire. Ça, je vais rien toucher. Si je fais ça, bon, les entraînements, je peux les faire. Les entraînements, je peux les faire. Ils sont pas déçus. Bon entraîneur, ça va, parfait, super. Allez, 20 jours. Je suis avancé. Ça avance. Tiens, ça passe vite. Hein.
reste 21 février, bon, on va arriver jusqu'au 12 mars, bientôt le 12 mars. Il reste deux matchs à faire, il reste plus que deux matchs à faire, il reste trois matchs à faire, il reste le 12, le 2 avril et le 9 avril. C'est pas mal, hein. Ah, ça rappelle que le 7, U13, ils ont pas d'entraîneur, ils ont pas d'entraîneur le club. Ils ont pas d'entraîneur, ce club, il n'y a pas d'entraîneur. On joue, il n'y a pas d'entraîneur. On rappelle, c'est un contrat amateur, c'est un contrat amateur. Ce club est amateur, ça veut dire que tu peux pas prolonger un contrat, ton contrat se termine en amateur parce que l'amateur c'est pas mal. Toi, tu peux faire ce que tu veux. Là, tu joues dans 18 jours, hein. C'est très. Ici, on pense qu'on joue à 19 ans, 20 ans. Ah, il y a Jérémy Poldo qui peut jouer. À droite, à ce qu'il faut. Rondi Punto s'entraîne très bien. Nicolas Brun qui s'entraîne mal, mon gars. Je suis désolé, Nicolas Brun. Il a caissé 4 buts à Marcelo Ndoum, il a caissé un but face à Simian. Ouais, mais le gardien, il refuse de revenir parce que l'autre, Nicolas Palquez, c'est un gardien qui est très jeune, mais bah, il faut qu'il se montre. Hein. Parce qu'il est juste en dessous de Nicolas Brun, mais c'est normal. Ouais. Eh ouais, mais on va arriver plutôt au mois. Là, on est en février 2023, mais on rappelle que le match de 13 sera le 12 mars, après t'as 2 avril et 9 avril pour s'y finir la saison. Parce qu'en fait, les carrières qui vont arriver, ben demain, on sait pas, demain, je sais pas encore si je fais une carrière, demain, je sais pas. Demain après-midi, je sais pas. Demain soir, c'est sûr, demain soir, c'est sûr, je sais pas. Et après samedi, on sait pas encore. Oh, ils ont perdu 5-2, putain. 5-2, l'équipe Usav, ils perdent, putain, c'est pas possible. 5-2, ils perdent, hein. Putain. Et là, ils ont gagné l'équipe. C'est l'équipe réserve. Ah, c'est l'équipe de qui ça? Ah, c'est les 19, ils ont perdu. Les 19 qui perdent contre 19. Et l'équipe Usav gagne 2-0. Face à qui? Face à qui? C'est quoi ce club là? C'est Gardanne, non? Gardanne. Je crois que c'est Gardanne, hein. Ouais, c'est Gardanne 19, Gardanne. Ils ont gagné à Gardanne 2-0. 8-19. C'est ça. Ah ouais, je crois. Il nous reste 14 jours. Qu'est-ce qu'il me dit en bas là? Ah, il me dit le maire de Pen Mirabeau, ce nom par le club, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il veut dire en bas là? J'ai vu. J'ai vu quelque chose tout en bas dans les annonces de. D'information, j'ai vu quelque chose. On rappelle que la carrière ça va être enregistré, mais c'est. Je sais pas comment je vais faire. On rappelle que j'ai pas joué parce qu'il y avait il y avait pas de carrière. Aujourd'hui il y a une carrière, ça reprend petit à petit.
Demain, je sais pas. Samedi, on sait pas. On sait pas encore. Hein. Alors, ça, c'est les entraînements, c'est bon. Ah, c'est d'accord, on n'a pas les entraînements de cette carrière. On n'a pas d'entraînement comme d'habitude parce que les entraînements amateurs, tu les as pas. Hein. Ouais, c'est dur de. En fait, tu perds contre Marcel Ndoum, tu gagnes Simian, c'est pas mal. Tu fais un championnat, là, tu te concentres sur le championnat. Hein. Parce que pour l'instant, on est en barrage de montée, hein, c'est pour ça. Romain Foyon qui monte un peu là, il monte à, ah, il monte à 7 là, 7 là, il monte à 8 en vitesse, c'est pas mal. Shinji là, je vois rien, on va faire ça. Non, rien touché pour l'instant. Je l'attends, Marie, on va faire entraînement. C'est quoi ça? Ça, je vais rien toucher. Il va être titulaire régulier, dit bon, Jupiter, oui. Termine la réunion. Allez, il nous reste 13 jours. Allez, il reste 12 jours. C'est quoi ça? On rappelle, c'est long. Tiens, c'est quoi ce bruit là? Attendez, les gars, attendez. Faut que je marque la carrière FC, faut que je marque cette carrière-là, faut que je marque FC, je sais pas quoi, on marquera en majuscule, en minuscule, en majuscule, parce qu'en minuscule ça marche pas. Je marquais. Pardon. Ouais, je m'étouffe pour rien, c'est juste que j'ai. Je sais pas, je m'étouffe. C'est la chose qui arrive. Ouais, c'est rien, c'est rien. Côté finance, on n'avait pas de finance. Ouais, ça bouge pas. Allez, le jour de la semaine, c'est 8. Allez, il reste le mois de mars. On est au mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'il y a encore? Fabio qui joue pas. N'est pas heureux pour une place de titulaire. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Vas-y, Jérémy, parle-lui. Il veut être titulaire, mais qu'est-ce que tu veux? Tu joues pas, toi. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Va vous parler. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi, toi? Je sais pas, tu vas être titulaire pour redonner dans l'équipe, pour poursuivre sur place, devenir un agent. Je crois pas que tu veux jouer, mon gars, mais. Désolé pour toi, tu. Parce que. Ouais, mais en fait, le meilleur joueur. Lui, il est plus. En fait, lui, il est meilleur que d'autres. Thomas Dutronc, mais. Ouais, mais c'est un buteur. On va le faire monter en entraînement, parce que. On va le faire monter à d'autres intensités. On va le faire monter parce que c'est un jeune de 20 ans. On rappelle qu'il est au-dessus de Thomas Dutronc. Il est juste au-dessus. Au-dessus de Fabio, il est au-dessus de Thomas Dutronc, mais c'est un joueur qui. Il montre pas, mais on verra la compo que je vais mettre. Ah, pour l'instant, dirigeant, on est en B-, super. Côté dirigeant, alors dirigeant, on est en B-, c'est sûr. Les supporters, on est en B, et pour l'instant, oh putain, ça descend. Comment ça se fait, ça descend là? Ah, d'accord, on est en vestiaire, on est bon, on descend un peu. C'est quoi ça? Le nom du club pourrait un dehors de temps. Et vestiaire en entraîneur, on est bon. Le soutien d'entraîneur de votre favori pour aider le dernier temps. Ok. Ah, c'est ça qu'il me demande, d'accord. Bien sûr. Faut que je regarde un peu mon. Du truc du club, faut que je regarde qui s'il va me dire. Parce que, quand même, on sait pas. Hein. Bon, pour l'instant, le règlement, c'est une défaite et un match, une victoire. Mais alors, pour l'instant, il reste 3 matchs. Parce que le match de 13 c'est le 12 mars, après t'as le match le 2 avril, après t'as le 9 avril. Peut-être faire un match, hein. Peut-être prochain épisode, peut-être un match. Du 12 mars, peut-être un match supplémentaire. Et peut-être 2 matchs, on verra. On verra ça. Si on peut faire un match supplémentaire ou 2 matchs supplémentaires, on verra. Ouais, parce qu'on faire un match, tu vas du coup 12 mars, après le 12 avril, après le 9 avril, t'as que deux vidéos à faire et basta. Hein. T'as deux vidéos à faire.
Ah, il est plutôt meilleur. Ah, lui, il est plutôt en dessous que Menji, d'accord. Ok. Il n'y a pas de recommandation. La recommandation, 15-20 ans. Lui, on l'a vu, c'est Châteauneuf. Châteauneuf, c'est pas ouf. N'est pas intéressant. Ça, c'est 15-19 ans. Ok, hein, pas de rapport. Alors, pas de recommandation du côté. Pour le poste de milieu droit. On a déjà pris 2 joueurs la tête milieu droit. Voilà. Jeu de la semaine, alors, 8 est bon. Rondi, très très bon côté en entraînement. Notre ami Cédric qui s'entraîne mal, je suis désolé Cédric qui s'entraîne mal. Alors, les 2-3 sont bons, Léo et David. Très bon entraînement. Ça va. Ouais, je sais que peut-être mon enceinte, je sais pas, il bouge trop, mais je sais pas. Bien sûr. Ça se rapproche. Attends, on va juste fermer ça. Voilà, c'est bon. Après, il n'y a pas de stade en haut parce que faut créer un stade, mais je sais pas comment on fait. Il y a 100 stades dans ce stade-là, il n'y a pas de stade parce que c'est pas grave. Qui me dit ça, c'est la Coupe de France, on s'est fait sortir. Nous, on n'est plus en Coupe de France, on n'est plus en Coupe du Littéral, on n'a que le championnat à jouer. On n'a que ça. Chose qui arrive parce qu'on rappelle que mardi j'ai pas joué, mercredi non plus, aujourd'hui j'ai joué ce match-là pour en reprise. Demain après-midi, demain soir c'est prolongation. Samedi, pareil, prolongation. On sait pas encore. Et après, la semaine prochaine, lundi jusqu'à mardi, prolongation aussi. 3-0 pour les 19, c'est bien. Ils sont en quatrième les 19. C'est bien les 19. Les 19 qui enchaînent. Ouais, alors pareil, on s'en fout, ils ont gagné Le Havre. Brest qui a gagné Rennes. Nantes qui a gagné Bordeaux. Ajaccio qui a gagné Rodez. Angers qui a gagné Dijon. Toulouse a gagné Grenoble. Metz qui a gagné Lens. Et Auxerre qui a gagné Yverdon-la-Duchère. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors. Lui, c'est qui pour. Ah, lui, il progresse, lui. Jutschka, Monet. Allez, une note. Je vais peut-être 1. 6 en passe, ça monte. 3 comme ça, 6. Oh, 2, 5. Pas mal, ça. On va quand même le faire monter, lui. On va faire ça. Pardon. 6,55 à l'entraînement, c'est bien, ça progresse. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il a dit quoi lui? Entraînement, travail dur pour Mondongo pour échanger de risques en défense. Mondongo pour écarter le danger. Ah, il s'entraîne, d'accord. Ah, c'est juste pour le joueur qui joue pas beaucoup. Faut qu'il se montre. Pour ce match. Pardon. La Coupe Méditerranée, bah Andou jouera contre. On a perdu contre eux, et ils jouent contre Esprit Sportif Vitrolles. On va voir le résultat de la Coupe de Méditerranée. Qui passe? Nous s'est fait sortir par Marcel Andoum. Il se déplace à. Il reçoit. Alors, qui c'est qui avait passé? Oh, alors, Cavaillon a miné Port-de-Bouc. Ils ont miné, ok. Putain, Marcel Andoum qui gagne 3-0 contre. Ils ont gagné 3-0, Marcel Andoum contre Esprit Sportif Vitrolles. Ils se sont fait sortir Vitrolles aussi. Par nous aussi, on s'est fait sortir par eux. 2 buts à 1 pour Antibes. Ils ont fait sortir par l'autre Antibes. Oh, c'est Aubert qui a miné, eux, 2 buts à 1. Ils ont miné au pénalty. C'est bien. 1 vers la pondation. 2-0 pour OK. 3 buts à 1. 4-0 face à Saint-Sylvestre de Nice. C'est pas mal. Ça va à Marcel Andoum qui a miné nous et Esprit Vitrolles. Sportif Vitrolles, ça fait sortir aussi. Dommage, hein. Ça fait sortir par nous aussi parce qu'on a perdu 4-2. Ils ont perdu. Esprit Sportif Vitrolles, ils avaient perdu chez eux 3-0. Ah, mais ça rigole pas, les Marseillais en Doom. Hein. Ils ont gagné 3-0, nous on a perdu chez nous, contre eux 4-2. On a perdu contre eux 4-2. Ah, c'est une belle équipe. Hein. Avec Aïgouti qui fait le boulot. Hein. Voilà. Allez, commence de. On répond juste au assisté à la réunion. Non, pour l'instant, je vais rien toucher. Pour l'instant, je vais rien toucher pour les questions. Parce qu'il va me. Et après, si je touche, il va me dire. Ils vont faire la tête. Bon, ok. Bah, super. Allez, c'est parti.
Alors, on dirait que je suis en suquet, mais c'est rien que je. Quand t'es en suquet, quand tu trouves sur l'appareil, t'es en suquet quand même. Mais c'est normal. T'es vraiment en suquet parce que quand tu fais deux matchs, c'est bon. Bah, on verra pour le prochain épisode quand je vais jouer parce qu'avec la cause de l'état, je sais pas. Alors, du coup, on veut 13, ils sont 7e. Ah, ils ont une défense à 3, ouais. Je me rappelle que 13, la défense à 3, ils sont pas ouf. En défense à 3, ils sont pas ouf en fait, ils sont 7e. On rappelle qu'on est en barrage de montée parce qu'on a une belle équipe et on va peut-être monter en. Je regarde un peu le règlement avant de faire le rapport. Merde, excusez-moi pour le bruit, le truc et le bruit. En fait, si. Pardon. J'arrête pas de m'étouffer parce que je crois que j'ai. Ça sent quelque chose en fait, je m'étouffe. Alors, dépendamment, je vais vous montrer un peu le règlement. On n'a pas un règlement là? Règlement. Voilà, tu vois qu'est-ce qui est marqué? Barrage de champion, d'accord. Il y a une phase de poule? Ah, on a un barrage de montée, d'accord. On joue quoi? Ah, on joue contre. Si on gagne, on joue premier, tu montes en régional 4. Ah, c'était promu si tu montes. Alors, première passe, si tu gagnes, tu joues en barrage. Alors, barrage de montée, c'est du 30 avril jusqu'au 4 juin 2023. D'accord? Barrage de montée, tu montes en régional 4. C'est pas mal ça. Ça, c'est quoi ça? Et la finale de barrage de champion, c'est quand? Du 16 avril au 23 avril. D'accord? C'est ça qu'il faut que je fasse. Ah ouais, 23 avril sera l'eau. C'est pas encore. Hein. Le barrage de montée, c'est du 23 avril. Ça va très loin. Hein. Si tu montes en barrage, tu joues contre une équipe. Je sais pas contre qui tu vas jouer en barrage. On n'est pas encore là, là. Il nous reste 3 matchs avant le barrage de montée. Contre qui on va jouer en barrage. Ou être champion, on sait pas. Hein. Si tu gagnes contre eux, tu gagnes contre eux, tu vas être champion de départemental provençal. C'est pas si mal. Hein. J'ai un instrument depuis quand, moi? Ah, ça va, je suis 1h43. En instrument, je suis à 1h43. Ça va, j'ai rien d'avancé. Excusez-moi pour le truc. Ouais, parce que j'ai fait une pause d'un quart d'heure. Mais j'ai pas fait de pause, juste allé me moucher, me concentrer un peu pour me concentrer et. C'est pas si mal. Voilà. Pour l'instant, c'est pas mal du tout. Bon, ok. Ça se rapproche, la fin de la fin. Ça se rapproche. Bon. Ok, bon, je vous tresse. Ça sera pour le prochain épisode. Alors, ça s'entraîne bien, lui. Rondi, très bon entraînement. Nasser Léo, très très beau. Valentin Marache s'entraîne mal. Mais je suis désolé pour toi, tu t'entraînes mal, mon gars. Je suis désolé. Brice et Cédric s'entraînent mal. Mais ça enchaîne les entraînements. Ça enchaîne. Ça enchaîne. Ah, ça avance. C'est en train de sauvegarder. Attendez, je me suis fait un truc. Que je attends. Pose la même compo, pose des changements, mais on garde la même équipe. On est favori face à Tress. Allez, commence de presse avant de se laisser. Et qui ça? Ah, c'est un de Châteauneuf-les-Martigues, d'accord. Par de quoi là? Quelle est votre action de la Alain Gonien pour cette tête pour voir le titre pour leur dernier match? On va dire ça. Nous allons vous joueurs pour relancer votre dernier match. Oui, bien sûr. Pourquoi votre équipe est une des meilleures attaques du championnat? Les meilleures attaques? Ah oui, on a la chance, bien sûr. Votre équipe
Pourrez des championnats, pourrez conserver le ballon, pourrez très important de votre bonne forme. Toujours ça. Pour presser, on continue de face à Pierre Benguigui pour une forte pourrée d'un temps. Oui. Certains pensaient à Henri Bonnette, pourrait votre clé de ce match pourrait confirmer. Ouais, je vais dire sans commentaire. Hein. Voilà. Désolé. Voilà. Bon. Voilà pour le calendrier. Je vous remets en arrière. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Moi, je suis là. Okay. Je vais faire comme ça. Bien comme ça. Bon, comme ça. Bah, c'est bon. On se trait la photo. C'est pas ça? Quoi? Mon sœur elle est morte. Merde. Elle allait la donner à manger, elle s'est étouffée. Tu vas trop, ta mère là, trop chômage. Elle a plus travaillé. Quoi? Ah. Voilà, elle est morte. Excusez-moi, voilà. Désolé pour la phrase. Hein. Excusez-moi. Ok. Ok, voilà. Bon, barrage monté, 9 victoires, 2 nuls, 1 défaite. 0 défaite. Voilà, c'est ça. Ça, sur 4 victoires, 1 nul, 1, 0 défaite. Extérieur, 5 victoires, 1 nul, 0 défaite. Ok. Tu fais 0,8 et 0,7. Bon, désolé les amis, je vais pas faire de stream demain. Bon, rappel, j'ai pas d'enregistrement demain parce que demain je peux pas faire d'enregistrement. Je suis désolé, bah, ce sera pas un instrument demain. Je sais pas. Pour l'instant, je jouerai pas depuis, je jouerai pas. Voilà. Ce sera une trêve, ce sera peut-être une pause ou une arrêter le jeu. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve à très vite. Allez, bon après-midi, merci. Tchuss, bon après-midi. Merci à vous.